siempre que entro en el recetario, más adelante, fueron agricultores. Alors ils ont c'est l'emplacement des Twin Towers. Hein? It's the same place where the Twin Towers was. Yeah, this is the building. Et donc ils ont construit ça là, l'emplacement des Twin Towers. Et c'est très étrange toutes ces petites lumières qui sont comme autant de vies disparues. Voilà, sans parler plus profondément de. Du pourquoi, du comment et du tout de la chose et de ses conséquences et de ses causes. C'est très étrange cette. Yeah, definitely there's a monument. Light projection, or it's almost like a hologram of the top of the building or something. I think there is going to be some light effect at the top of the building. But I can't really remember. Mm-hmm. No? It's true. So it's over for. Anyway, yes. But the money of the Chinese people, the Chinese economy, you come here. It's like regardless of the status of America as a Western imperialist country or as like a declining power, like people will always invest in New York as like a cultural capital. So we are four. Oh yeah, it's very beautiful. Yeah.
Doug Livia. Voilà, Doug habite là, je crois, au premier. Je sais pas si j'appelle ou si j'appelle pas. I'll say that. I will. Avenue A.
Le Bridgewater. Il y a des jardins, partout des petits jardins collectifs. Alors, je vais chez Bruce, je suis passé chez Doc, ça. J'ai sonné mais pas de réponse. Je rappellerai de toute façon. Je vois, il y a une queue là, je sais pas pourquoi. Encore des jardins partout. Tu connais ça, c'est magnifique. Je viens d'acheter. Ah non, qu'est-ce que c'est? Prends des photos de nus si tu veux. Non, je suis avec un gueule de Michel. Tu sais pas que je suis un bon photographe? Et je sais. Non, j'ai. Il faut voir mes photos. Et il y avait des gens qui veulent faire un livre de mes photos. Ah, très bien. Ah, mais je suis pas le plus professionnel, mais presque. I mean, je suis très juste, mauvais. Je suis bon. Moi, je suis très mauvais photographe parce que... Je cherche mes... Ils me font mettre mes chaussures. Moi, je l'adore. Oh, Lionel, je veux te dire ce qui est arrivé parce qu'ils ont caché. Hein, ils ont caché la vérité. OK. Un existant ici aux États-Unis. Ouais. Je n'ai jamais rencontré un Sephardim avant que je suis allé en France parce que 90 personnes ici sont de pays de l'Est comme moi. Je suis juif de pays de l'Est, Russie. Russie. Tous les quatre grands-parents. Il y avait beaucoup de Russes ici, ce village, quand j'étais il y a 20 ans. Mais ça, c'est différent. Il n'y en a plus maintenant. Ça, c'est différent. Édouard Limonov. Ils ne sont pas circoncisés la plupart. Ah, d'accord. Ce n'est pas des vrais juifs. C'est pas les vrais Russes, mais c'était des Russes exilés quand même. Il y avait Limonov qui s'est exilé aussi à Izyev. Oui, j'ai connu Limonov. Tu connais... Je sais pas. Tu vas voir.
Ça te dérange? Non, pas du tout. En plus, tu as ouvert toutes les fenêtres et il y a le ventilateur, donc ça ne me dérange pas du tout. Et ton petit ami, je peux te demander pourquoi est-ce que c'est un problème ici? Attends. Tu peux boire? Oui. Je descendais une rue perdue dans un quartier périphérique à la recherche d'une pissotière malfamée. Sous un pont, deux loupards attendaient adossés à leur moto. Et quand je suis passé, ils m'ont crié, pas méchant, « Razdep ». Comme j'étais ivre, il m'a fallu quelque temps pour comprendre. Les avertis ne parlent pas verlan. Razdep pour pédéraste. Un instant, j'avais senti flotter derrière moi l'ombre d'une autre race. Ce cri, je l'avais moins senti comme une insulte que comme l'évidence résumée de mon appartenance à un autre monde, à une autre histoire. Une histoire pas si vieille, née il y a un siècle, et dont les débuts pourraient encore être comptés par des vivants. C'est si vide comme il parle. Naissance d'une nouvelle identité, devenue en 100 ans une quasi-nature. Ils apparaissent un peu avant le tournant du XXe siècle, mutant des arts de l'image et des sciences médicales, se découvrant progressivement à travers leur représentation comme une espèce particulière. Entre les guerres, dans les convulsions de l'Allemagne pré-concentrationnaire, ils prolifèrent comme du chien d'an, construisant leur propre destin jusqu'à former une définition de l'être humain, super. Un peuple dispersé, un peuple sans mémoire, oublieux aussitôt des expériences vécues et des exterminations. Une conscience d'être autre qui n'est pas éternelle, c'est très lié. Mais n'est pas née non plus dans la libération américaine des années 60. Elle a eu, il y a un demi-siècle, son âge d'or, continent perdu, effacé par le bain de sang totalitaire. C'est cette histoire inconnue que ce film veut rendre visible au travers des images qu'elle a créées, l'histoire de la race d'Ep. Ah, ça c'est un problème. Ça a besoin de... Quelques sous-titres a besoin d'un carré noir, parce que ça devient compliqué. Leur histoire accompagne celle de la photographie. Une autre mémoire, une autre peau sensible est donnée aux êtres. Eux s'en emparent aussitôt. C'est le signe de leur modernité. Dès leurs origines, ils feront de la surface lisse, où les rêves se fixent, le confident favori de leur culture naissante. Grâce à elle, ils oseront sur le camp masculin c'est parfait, la n'est-ce réalité pas rend difficile. Ah, ça c'est un problème, le blanc. Le bleu à la pornographie actuelle, je peux réparer eux ça. Feront de la pellicule sensible leur je véhicule privilégié. Je peux réparer privilégié. Ça. Et ce film je en est le dernier témoignage. Je peux mettre un truc noir derrière. Ils naissent aussi avec l'enfance contemporaine. Mais pas trop, on veut voir les génitaux. Le leur mutation est simultanée vois, de celle-là un peu transparent, qui arrache ouais. Le petit de l'homme à la naïveté séculaire pour en faire le grand mythe intouchable, le miroir des frustrations adultes. Mais eux, je ne veux pas cacher les génitaux alors. Dans le langage de la bande noire, je ne fais pas complètement opaque. Les adolescents s'enlisent, prisonniers du mirage, immobilisés pour toujours à l'âge désirable pour la collection des amants d'enfants. Infatigable investigateur des formes du corps adolescent, il révèle le cliché d'une beauté interdite. Ah, problème là. J'adore ce film. Ça, on peut. On n'a pas besoin de soucis. Non. Avec le baron Wilhelm Röden est né en 1856 sur les bords de la Baltique. Il faut un noir. À 20 ans, Tuberculeuse décide sur les conseils d'un autre baron allemand, le peintre Otto Gehling, de visiter la Sicile et Taormina, déjà célébrée par le poète Platène. Il s'installe à Taormina qu'il ne quittera plus et commence par tenter sa voie dans la peinture. En 1888, Röden est ruiné. Il se met alors à exécuter à l'aide d'un appareil photographique qu'un ami allemand a inventé. On peut lire, n'est-ce pas? Des cartes postales des paysages de la région. Et en 1880, la photo d'art commence à peine. On peut changer l'intensité du fond noir. Et si on veut voir ce qui est derrière ça, on ne veut pas complètement noir. La production de Blodden, qui n'a cessé de travailler jusqu'à sa mort en 1931, le met au premier rang de ses artistes d'avant-garde. Très connu à son époque, Blodden reçut pour son œuvre de nombreux prix et distinctions. En Italie comme à Paris, au Caire comme à New York. Édouard Witt d'Angleterre, Prince, Alphonse XIII d'Espagne, Richard Strauss, Oscar Wilde, Anatole France. Ah, c'est des détails, ont visité son studio. 36, la police. Non, je fais que la bande est plus noire. Seulement ça, on peut ajuster. Non, mais il y a très peu de choses qu'on ne peut pas. Je vais te demander quand je fais.
C'est comme le texte. J'ai oublié le... J'ai peut-être le bravoure à l'apercevoir. Ça, il y a besoin de trucs noirs. Ça aussi. Quand j'étais jeune, on m'appelait... Je vais réparer ça. Il doit y avoir un peu de sang arabe dans ma famille. Je me souviens très bien quand il était... Je vais réparer. Il était habillé... Je vais réparer. Bien trop chaud. Pour chez nous. J'ai oublié de mettre tout les trucs noirs derrière. On s'est précipité pour attraper ses bagages. Et il a sorti de l'argent. Au début, il n'a rien fait que nous regarder de loin. Par en tant problèmes, que je peux ce jeu que vous appelez sautomoto. J'ai oublié la bande noire ici. On était déjà des adolescents. Mais je cadre encore comme des regards. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire au village. Aujourd'hui, mon petit-fils... Je vais réparer tout ça avec une bande noire. La route de Syracuse. Il a la Vespa. Il va au cinéma en village. Ça n'empêchera pas peut-être de rencontrer son baron. La station, je l'ai achetée à la mort du baron grâce à lui en 1935. Il nous espionnait. Tu sais pourquoi ça manque la bande noire? Parce qu'au début, je n'ai pas compris qu'il faut superimposer et j'ai mis sur le même. De voir qu'un monsieur, un frère, et un étranger en plus, il s'intéressait à nous, plutôt à la famille. Dans ce temps-là, la fille ne sortait pas du tout. Elle restait enfermée avec les mères, les hommes. Partait travailler à la ville. Ou à mer. Et nous, les gamins, on gardait les troupeaux. Je vais réparer. Ah, maintenant la bande noire. Non, pas encore. On s'attrapait. On se renversait. On se bagarrait. On se bousculait. J'adore ça. C'est qui ça? René Chérin. Oh là là! Comme vous voudrez. En 79, donc il avait... Oh là là, 50 ans. Deux enfants qu'il a. 55. Il a 90 maintenant. Donc t'as fait un travail énorme. Simplement, il faut que ce soit un technicien qui fasse les... Je peux réparer. Non, laisse-moi expliquer quelque chose. Au début... Je n'ai pas compris qu'il faut une superimposition. J'ai mis sur le même et c'est ça qui est le problème. Après ça, j'ai compris et j'ai commencé toujours de mettre les bons noirs et d'ajuster les bons pour voir ce qui est derrière. Comme ça. Pour les martyriser un peu. Tu aimes ça? Comme ça. Très bien, parfait. Parfait. Maintenant, j'ai commencé à les comprendre. Eh oui. Il faut mettre les sous-titres sur un quelque chose séparable. Voilà. Et en plus, on voit l'image derrière, donc c'est très bien. Il faut, très bien comme ça. Il a fini par nous demander si on voulait bien. Ça, je ne comprends pas pourquoi ça va jusque-là, mais ça ne commence pas. C'est pas grave. Je peux étudier, je peux changer. La photographie. C'est pas gênant. On voit l'image en dessous. Je voudrais pareil. Je veux que ça soit pas. Ah, voilà, parfait. Il avait mis une grande toile de décor. J'étais très sensible aux beats. À les beats, j'ai vu le montrer toujours. Enfin, quand il reculait, il nous disait Arthur. Qui sont ces gens, ces gars? Mais je sais pas, il n'en peut pas le dire dans tes tubes. Et pourquoi? Il n'y avait pas d'eau, tu sais, on a fait ça comme des amateurs. Il nous parlait à moitié. Ce que j'aime, c'est lié aux voix. Et ce que tu as montré hier n'était pas du tout lié. Il va dire Arthur. 2 minutes après. Non, parce qu'ils ont décalé, ils ont un problème de... On était comme des petites bêtes. Et c'est le voix de qui, ça? Copie.
sais, l'écrivain de théâtre. Il est très célèbre. Il est mort du sida aussi. Un an avant Guy, ils étaient très très proches. Oh. Ouais. Quand j'ai su que le baron. Je pense que j'aimerais bien. Hein. Ah oui. Tu as ma copie aussi, je suis sûr. Comme tout le monde le dit. Mais bon, ils sont là avec par l'esprit. Et puis parce qu'il reste d'eux. Tu sais que la culture en France est tellement régimentée que je n'ai jamais rencontré, parce que tu n'es pas dans le monde de l'être. J'ai parlé à mon adjoint, j'ai rencontré les gens de film, il a dit, je ne connais personne dans ce monde. Et on est séparés. Ici, tous les gens de toutes les disciplines sont mélangés beaucoup plus. Alors, je n'avais aucune opportunité de te rencontrer sur le mot Bec Bédé et des gens du Prix de Fleurs. Moi, je ne connais pas avec des deux. Oui, c'est comme ça. C'est dans la maison. Ils sont circoncisés. De grande colère contre nous. Ils criaient. Et ça, c'est nécessaire. On pensait avec un fond, c'est la seule solution. Ils voulaient. Mais je veux couper ça, je veux que ça soit centré. De la culture. C'est pas gênant. Sur la terrasse devant le vieux couvent abandonné, avec les années, le baron s'était mis à toutes sortes d'idées païennes. Des messes à l'heure du coucher du soleil, que les anciens appelaient Apollo. Il se prenait. Ça, je n'ai pas compris très bien. Ça, oui. Oui, Zoroastre. Non, ça, oui. Zarathustra, non, l'autre, l'amour à la coucher du soleil. Ah oui, l'amour au coucher du soleil. Sunset. La lumière, c'est tout ça, ça va. C'était seulement Apollo et. Nous en avons passé du temps à poser des journées entières au soleil. On s'était habitué, on connaissait ses manies. Il avait la folie, des grands yeux. Oui. Il disait que ouais, c'était très, très bon. Le miroir de l'âme dans le monde.
voilà, sans parler plus profondément du pourquoi, du comment et du tout de la chose et de ses conséquences et de ses causes. C'est très étrange cette... Yeah, definitely there's a monument. Light projection, or it's almost like a hologram of the top of a building or something. I think there is going to be some light effect at the top of the building. But I can't, I can't really remember. No? It's true. So it's over for... Anyway, yes. But the money of the Chinese people, the Chinese economy, you come here. It's like regardless of the status of America as like a Western imperialist country or as like a declining power, like. Alors ils ont construit, c'est l'emplacement des Twin Towers, hein? It's the same place where the Twin Towers was. Yeah, this is the building. Et donc ils ont construit ça, là, l'emplacement des Twin Towers. Et c'est très étrange, toutes ces petites lumières qui sont comme autant de vies disparues.